Hello tout le monde, c'est Super Brioche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIII. On s'était laissé alors que Feng avait expliqué à Lightning pas mal de choses à propos de sa marque. Elle avait été, elle est responsable de la cristallisation de Serra, de la transformation en Elsie du fils de Dage. Enfin, elles sont responsables, c'est elle et Vanille du coup. Donc là, la situation est un petit peu tendue. On avait aussi Hope et Snow qui sont pas en bonne posture non plus. Je crois que Snow va pas bien du tout. Il est blessé. Hope est encore dans les vapes. Je pense qu'on va les retrouver. Donc là, c'est vraiment assez lourd l'ambiance. Il y a encore des combats. Attends. On va pas aller là-bas. Il doit y avoir des coffres quand même. Il doit y avoir des coffres. Ouais, il y en a un là-bas. Bon, c'est pas vraiment des coffres, c'est des sphères, mais est-ce qu'on s'en inquiète? Est-ce qu'on s'en inquiète? Ma foi. En tout cas, j'ai lu un petit peu vos commentaires, donc vous pensez aussi que c'est un moment important de l'histoire, là, vraiment. Donc je pense qu'on va avoir des cinématiques très sympathiques. Mais voilà, en lisant les dossiers, j'ai un petit peu mieux compris. Bah du coup, Feng et Vanille viennent de Pulse, de Grand Pulse, comme elles l'appellent. Elles ont été transformées en OLC. Apparemment, elles ont accompli leur tâche, donc elles se sont cristallisées. Et ça, apparemment, ça s'est passé il y a des siècles. Elles se sont réveillées sur Cocoon, sans souvenir. Et alors là, il y a une espèce de flou dans ma tête, pour bien comprendre. Oh là, attendez, mais... peut-être que tu te soignes un petit peu quand même. À chaque fois que je bavarde comme ça, je me fais avoir. Merci, c'est bon. Ça va mieux. Il y a un petit flou parce que, alors, elles se retrouvent sur Cocoon, décristallisées. Et ce que je comprends, c'est que Feng, à ce moment-là, sa marque est cautérisée, elle est blanche comme on la voit là. Mais Vanille redevient une LC. Enfin, elle redevient une LC avant d'être dans notre groupe. Parce que dans notre groupe, on a pu croire qu'elle devenait un LC en même temps que tout le monde. Mais apparemment, non. Elle était LC depuis un moment. Je vais vous montrer un petit peu dans les dossiers parce que j'ai encore un petit peu du mal à comprendre. J'essaie de suivre et... Attendez. Allez, suis-moi ce petit merdeur là. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vais vous montrer dans les dossiers. Voilà. Hop là. On n'est pas pressé. D'ailleurs, je vais quand même prendre ça avant. Un bracelet tungsten. Bracelet tungsten. Qu'est-ce que c'est que ce bracelet tungsten? PV plus 150. Allez, mets-le. Ça peut être sympathique. Donc, si je regarde les dossiers. Donc, dans les 13 jours, nous avions le contact. Non, c'est pas ça. La première victime. Voilà. Lorsque Feng et Vanille s'étaient réveillés de leur sommeil séculaire, les portes de vestiges de Bodun, jusqu'alors scellées, s'étaient ouvertes. D'accord. Voilà. Donc là, c'est là où il y avait le falsi de Pulse. Plus tard, Serra pénétra par curiosité dans l'antique bâtiment, où les deux LC de Pulse se trouvèrent inconscientes peu de temps après. Voilà, d'accord. J'avais lu, mais j'avais mal compris. Les deux LC de Pulse donc se réveillent là-dedans, en fait. Et c'est à cause de leur réveil que ça s'ouvre. Et que Serra y pénètre. Pensant que le falsi animal leur avait rejeté au profit. Pensant que le falsi anima, celui qu'on a combattu donc, les avait rejetés au profit d'une nouvelle Elsie, Feng et Vanille décidèrent de transporter Serra en dehors et de veiller sur elle en attendant qu'elle se réveille. Afin d'assurer qu'elle rentrerait saine et sauve chez elle. Oui, non, bah, elle est pas saine et sauve quoi, elle s'est fait transformer en Elsie. Hein. Ouais. Voilà, et après, elle s'infiltre dans la centrale. Attendez, mais je voudrais vous montrer où j'ai vu. Je crois que c'est ici. Vanille fit semblant d'avoir été changée en LC en même temps que Lightning et les autres. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Mais elle était une LC depuis bien plus longtemps, lorsqu'elle était encore sur Grand Pulse. Donc, ce que je comprends pas, c'est que si elle s'est cristallisée, elle a accompli sa tâche, elle devrait plus être une LC. Donc, c'est bizarre. Elle se réveille, mais elle est encore LC. C'est ça que j'ai du mal à capter. Peut-être que vous pourrez m'aider, peut-être que j'ai mal lu les dossiers. Ou alors peut-être que c'est pas encore très bien expliqué. Hein. Peut-être qu'elle a pas vraiment accompli sa tâche, je ne sais pas. Bref, il doit pas rester beaucoup d'ennemis avant de pouvoir retrouver les autres. Allez, celui-là je le passe. Allez, j'espère qu'on va vite retrouver les autres parce que... Hope et Snow sont vraiment pas en bonne posture. Alors, il y a un magnifique petit coffre ici, évidemment... Bonjour, comment allez-vous? Approchez, je ne me fuis pas. Voilà, merci beaucoup.
J'ai hâte également de retrouver Vanille et Fang, pardon, et Saz, ceinture noire. Qu'est-ce donc? Pas mal d'équipements. Allez, pour toi peut-être. Résistance physique plus 10%. Allez, si tu veux, pourquoi pas. J'ai hâte de les retrouver parce que pour l'instant ils sont un peu aux abonnés absents parce qu'ils se dirigent vers une espèce de parc pour un petit peu oublier, je sais pas. Et pourtant Vanille est... Voilà, maintenant qu'on sait tout ça, j'ai envie de voir ce qu'elle devient, quoi. Et j'espère que Feng et Vanille vont se retrouver et que... Et qu'on pourra connaître la tâche de Vanille parce que du coup c'est pas la même que les autres, si j'ai bien compris. À moins qu'elle ait changé. À moins que j'ai mal compris, hein. C'est pas possible. Oh là, le gros. Oh là, le gros. Je le passe quand même, hein, parce qu'on l'a vu la dernière fois. Fiche, truc, il est long à tuer, le petit monsieur. Allez, je crois qu'on arrive. On va enfin avoir, je pense, la vérité. Enfin, la vérité, n'importe quoi. Le regroupement de nos deux groupes. Je n'arrive plus à trouver mes mots. Why'd you save me? I was asked to keep you safe. By Lightning. And by Nora. I'm sorry. What happened? It was my fault. I put her in danger. I know that. Let me make things right. You told me before that you couldn't. And that words were useless and a lot of other things I shouldn't have said. I didn't know what to do. I didn't know how to set things straight. So I didn't. I thought if I couldn't make up for it, then all the apologies in the world wouldn't mean a thing. So I decided I had to find a way to pay for it first, before I'd even have the right to say sorry. But it's like you said, I was using that as an excuse so I could run from my own guilt. That hit home. Oh. Look, Hope. I know what happened was my fault. I don't deny it, and I am sorry. Here. That's Lights, isn't it? Why'd you... That knife was a present from Sarah. To keep her safe. She trusted you with something that important. You should be the one to carry it. I'll find a way to make things better. Just give me time. If nothing I do is good enough, then I'll take any punishment you want to dish out. She's gone, Snow. You can take the blame, but it won't bring her back. I'm sorry. I knew it all along. I knew it, but I had to blame someone. I had to. I needed a reason to keep on fighting. It wasn't someone's fault. It was mine. Take it out on me. And keep yourself alive until you do.
that. You don't even need any help. You're all right. That's good to see. Just let me catch my breath. Oh. Always the hero. You want to die? You can't. What? I won't let you. Ah non non non, mais pas tout seul là. Mais waouh. Attends, mais ça va pas du tout là. Attends. Une seconde. Une acuité, s'il te plaît, faut que je sache. Ok, donc déjà, la scène était assez belle quand même, mais j'avoue que. Snow joue tout le temps au héros, quoi. Ah, je te protège, je te machin, je te truc. Calme-toi, quoi. T'es sur le point de crever là, et tu t'en peux plus. Alors, s'il te plaît. Arrête de jouer au héros. Mais là, maintenant, c'est Hope qui s'y met, quoi. Et j'arrête pas de confondre leur pseudo, alors je dis Hope, Snow. Tout ça confond. Mettons un bouclier. Allez. Une barrière. Magnifique. Repasse en soin. J'imagine qu'on va pouvoir bientôt retrouver Feng et Light et qu'ils vont bien m'aider. Parce qu'alors là, ça, c'est pas top. Hein. Tout seul, on pourra pas se le faire. Hein. On est courageux, mais là, ça risque de durer un petit moment. À moins qu'un petit Eidolon pointe son petit bout de nez. Ah voilà, regardez. Ah. Oh, il va bien. Eh bien, voilà mon équipe parfaite. C'est donc celle-ci que je voulais. Attaquant, ravageur, ravageur. Allez, faites péter. Ça fait plaisir. On peut même... Alors, par contre, j'ai pas mes... Saboteur, tacticien, soigneur. Ah bah ok, allez-y, mettez des boucliers, tout ce que vous voulez. Des soins. C'est parti, Light. Alors c'est Feng la leaduse quand même. Hein. On laisse mettre des barrières, des lenteurs, parce que j'attends un petit peu. Mais bon, là c'est pas moi qui ai fait les stratégies, donc c'est point terrible. Attaquant ravageur soigneur, ça me paraît sympa. Allez, on en profite. Donc là c'est vraiment l'équipe que j'aimerais garder jusqu'au bout. Donc c'est parfait, on peut s'entraîner un petit peu avec. Snow est dans les vapes, mais apparemment il va bien selon Hope. On va voir ce que ça donne après le combat. Par contre, apparemment, le mec, il est uniquement tuable en choc, là, parce que... Il prend tellement pas de dégâts. Allez, il y est presque en choc, justement. Allez, on va passer en attaquant ravageur, là. Assaut furieux. Fait péter la... Voilà. La barre de choc, là. Allez, expulsion. Boum. Alors là, ça va bien marcher, ça. Oh là là, ça va bien marcher. Allez, catapultage, là. Voilà. Magnifique. Vas-y, recatapulte. Wouhou. Il attaque pas, là. Il est bien. Oh, allez. Vite, catapulte. Eh ben, va même falloir qu'on l'utilise plusieurs fois, la barre de choc, là, parce qu'il prend tellement peu de dégâts. Il est solide, le monsieur, hein. Ultra solide. On est à 1000% là, presque. Ça y est, c'est fini. Eh ben. Ok, le combat va durer longtemps. On va quand même repasser en soin un petit peu. Avant qu'il fasse une grosse attaque là. Peut-être que je devrais passer en défense. Non, c'est bon, ça passe. Mais bon, en tout cas, je suis content que l'abcès soit crevé entre Hope et Snow, là. Il s'excuse. Il se rend compte qu'il a fait des conneries, donc c'est bien. Mais Hope aussi se rend compte que ça sert à rien. Il avait besoin de comment dire, j'allais dire de blame quelqu'un, mais c'est pas ça le mot. Ça, c'est en anglais.
Je l'ai lu et du coup ça me... Dans ma tête il y a Blame. Ou un truc comme ça. Ouah. Wouhou. Calmez-vous hein. Calmez-vous bien. Il avait besoin d'en vouloir à quelqu'un, voilà, de mettre la faute sur quelqu'un. Et quand même, Snow c'était bien quelqu'un sur lequel on pouvait mettre la faute. Allez, on l'éclate là, s'il vous plaît. Catapulte. Alors ce qui est chiant, c'est que du coup, là, Light, elle a quand même un Eidolon que je ne peux pas utiliser. Parce que c'est Feng, la leaduse. C'est dommage. Mais j'imagine que tout le monde aura sa petite invocation un jour. Enfin bref, on verra après. Là, quand Snow ira mieux, on lui fera un petit soin, et puis ça lui réparera les côtes. Et après, on sera 4. Enfin. Je pourrais faire mon équipe comme je veux. Et ce sera celle-ci, d'ailleurs. Là, on va la garder, celle-ci. Je referai mes stratégies, parce que là, elles vont pas du tout... Ça va pas du tout du tout. Et peut-être qu'on essaiera de remettre Light en leader si j'ai le choix. Mais j'aime pas l'idée d'avoir un soigneur en leader. Parce que c'est la galère. Enfin, je trouve pas ça très intéressant de mettre de l'auto-soin. Voilà, soin. Toi, tu fais rien finalement. Même si là, j'appuie souvent sur auto-attaque. Mais si besoin, je sais pas. Je me sens plus à l'aise avec quelqu'un qui attaque plutôt que quelqu'un qui se soigne. Enfin, qui fasse que ça du moins. Et Hope en soin, elle est très bien. En fait, Lightning, elle est très polyvalente, c'est ça qui est cool. J'aimerais bien mettre une stratégie où il y a attaque, attaque, ravageur. Avec Light et Feng en attaque et Hope en ravage. Ça peut être intéressant, je pense. Allez, la barre de choc augmente bien, il est presque mort. Ça va très bien se passer, tout ça. Faudrait qu'on passe dans le Crystarium aussi. Je pense qu'après ce boss, en plus, on devrait avoir un niveau supérieur. Ça m'étonnerait pas. Et je pense que bientôt, il faudrait que je prenne de l'XP, mais vraiment plus que juste tuer les ennemis sur la route. Parce que je trouve que maintenant, ça commence à coûter bien cher. Light, elle prend cher. Allez, on la soigne, s'il vous plaît. Elle va mourir. Et voilà. Et voilà, et voilà. Non, stop. T'as un truc en défense, là. Voilà. Reste comme ça. Oh là là. Provocation. Voilà, merci. Annule. Je fais objet. Objet. Queue de phénix. Voilà. Je vais repasser en... Attends. Voilà, avec le soin. Il est en état de choc, On le catapulte, on passe en assaut furieux, on l'achève. Allez, c'est bon. Ça m'a coûté une queue de phénix, mais bon. C'est pas bien grave. Je fais des petites erreurs parce que je discute avec vous, j'aurais pu faire un combat plus propre, je pense. Mais ça passe. Parfait. Allez, on va aller chez Hope après, on se fait une petite bouffe, on est tranquille. Petite pause chez Hope. Je sais pas s'il y aura son père. Operation Nora didn't work out. Oh my. You'll be okay. I'll keep you safe. Lightning. I... Me too. I mean, at least I'll try. I'll try to watch out for you two. Don't forget about this one. That one'll be all right. He's too stubborn to die. Knowing you'll always be welcome, no matter how much has changed. That's what having a home is all about. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas du tout ce qui va arriver quand on va aller chez Hope? J'ai l'impression que son père va nous dénoncer. Ou alors il n'existe pas, ou je sais pas, c'est bizarre. J'ai pas du tout confiance en son père. Ah, on peut bouger? Ok. Rien derrière moi? Non, par contre j'entends déjà un objet là, donc... Ah, bah, il est juste là. Ok, on va passer dans le Crystarium avant d'entrer chez Hope. C'est joli, t'as un joli petit jardin. Ah bah, la queue de phénix qui est remboursée. C'est type pas beau. Est-ce que c'est pas beau? Ok. Crystarium. Ah, par contre j'ai le Crystarium que de... Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave.
Hop. Ok. Ici, il nous manque un petit peu. Ah, je pensais qu'il manquait un peu ici. J'ai mal lu. Ok, bon, bon. C'est tout. Tant pis. Mom's gone. Nora. Dad, I know. I'll be in my room. We're gonna rest up. Then we'll leave. If they find out you're sheltering Lassie, they'll... Huh? You're my son! This is your home. My son. Ok. Je m'attendais pas du tout à cette réaction. Je pensais vraiment, je sais pas pourquoi, j'avais pas du tout confiance. Donc, bah tant mieux. Tant mieux que ça se passe bien. Mais c'est vrai, du coup j'avais pas beaucoup d'empathie pour lui parce que je me suis fait le portrait de quelqu'un de pas bien depuis un moment. Donc je sais pas. Alors je peux examiner des trucs, mais attendez, je vais quand même faire le tour avant d'examiner quoi que ce soit. Peut-être un petit coffre qui se cache chez lui. Vous avez une jolie petite maison, monsieur. Ah, mais je peux examiner beaucoup de choses. Ah, je peux examiner des photos. Les deux silhouettes visibles sur cette photo sont Hope et sa mère. Le père de Hope a dû prendre ce cliché de loin. Vous voyez quelque chose, vous? Je vois même pas ce que je regarde. Ok. Donc bon, c'est évidemment très triste, là, parce qu'il lui annonce quand même que sa femme est morte, tout ça va... C'est effectivement très triste. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à sentir de l'empathie pour lui. Donc bon. C'est pas la cata, hein. C'est pas la cata. Bon, pas l'air d'avoir d'objet, donc on va juste simplement observer. Peut-être qu'on peut regarder une autre photo. Il y avait quoi ici? Il doit s'agir du terminal de contrôle de l'appartement. Son design moderne et élégant témoigne d'une certaine valeur. Bon, ok. J'ai pas l'habitude du coup d'avoir ça dans ce FF. Alors là, il y a un truc vraiment important. Je pense qu'on peut quand même voir une autre photo avant. Il s'agit d'un portrait de la famille Eichheim, je dirais. Eichheim, tiens. Bien que son père arbore un sourire gracieux, Hope semble d'humeur maussade. Oui, j'ai l'impression que c'est tout le temps le cas avec toi, Hope. Ah, attendez, il y en avait une autre. On va regarder la deuxième. Eh oh, calme-toi, caméra, quand même. Hein. L'autre, là-bas. Non? Non, on peut pas regarder ça. Bah si, là. Tu te fiches de moi? Non, ok, je peux pas. J'ai l'impression à chaque fois que je vois... Bon, c'est pas grave. Tant pis, petite sauvegarde. Et on va allumer la télé. Peut-être qu'on va apprendre une mauvaise nouvelle, j'espère pas, mais... Je sais pas pourquoi. En général, quand tu vois les news, c'est pas des bonnes nouvelles. Et là, nous avons... Des textes universitaires et autres magazines d'intérieur décorent les étagères quelque peu désertes, mais rien ne semble être à Hope. Bien. Je sais pas pourquoi, c'est très froid ici. J'aime pas trop cet endroit, voilà, j'annonce. C'est joli, mais en même temps, j'aime pas trop. Now for an update on the situation in Palampolo. The Lassie continue their desperate flight,
and the military has now launched an all-out campaign to eliminate them. In the event you must leave your home, please follow the instructions broadcast on this channel. Must be the kid's family. Roughly 2,500 civilians believed to have come in contact with the Lassie are now being held in quarantine by the Sanctum. Our latest Instapoll has shown a vast majority in favor of the immediate purging of these individuals, hey. Believing their treatment... Lay down. All right. See, you took the kid's toy away. He gave it back to me. Said he didn't need it anymore. Go figure. It was too much. Hmm? What happened to Sarah? All I could think about was, what could I have done? I hated myself for not trusting her. It hurt too much. I couldn't face it. Look, Snow. I'm sorry. Forgive me. For what? Everything. If you told me your real name, I suppose I could. Have Sarah tell you. When she comes back. Deal. My dad said he'd like to see you guys. He wants to talk. The blame is mine. I couldn't save her. If it wasn't for Snow, I wouldn't be here right now. Snow? Did Nora... Did she say anything to you? Hope. She said to get him home. Hmm. And that's exactly what you've done. Phew. Face to face like this, it's hard to believe you're all dangerous fugitives. But the entire world is scared to death of you, Lassie. No, not even just you. People who've helped you, bumped into you. Sometimes it's even just people who've walked by one of you. They think they're tainted and want every one of them purged. The Sanctum's a puppet of the Foul Sea. To them, our lives don't mean anything at all. We'll stop this. Take down the Sanctum and save Cocoon. You've thought that through? If Lassie take down the Sanctum, fear of Pulse will only get worse. It won't stop at fear. People will take up arms and stand against you. Can you imagine it? The rampant violence. When the government's control is gone, the citizens will revolt. So what then? We're supposed to just smile and eat a bullet? That means you too. I know I'm part of this. I'm on your side of the fence. Harbor of Lassie and a public enemy. Coming here was a bad idea. This is your home.
here. Let's figure this out together. Huh? Heads up! No! Hope! In the back! You're not ready for this. I'll stay here. No, help my dad. Come on. Ok. Ok, ok, tout se passait bien, on était bien planqués, on se reposait, et ça y est, on se refait attaquer. C'est pas étonnant. J'arrive pas à avoir confiance au père, mais je ferais peut-être que je me calme, parce qu'apparemment il est quand même tout à fait sympathique, il n'y a pas trop de soucis. Donc peut-être que je me fais simplement des idées, hein. C'est peut-être pas lui du tout qui a prévenu que son fils Elsie était là, et que le mec qui avait tué sa femme était là aussi. Peut-être que je me fais des idées. J'espère que tout ira bien. Bref, on va essayer de s'échapper encore une fois d'ici, parce qu'apparemment ici c'est pas terrible. Je pense pas que Hope veuille rester, de toute façon il a dit on repart, mais pour aller où? Bref, encore beaucoup d'interrogations. Il faut qu'on accomplisse notre tâche, il faut qu'on comprenne ce que c'est que notre tâche, accomplir, enfin, renverser le gouvernement, sauver Cocoon, bon. On avait quand même vu une espèce de gros truc là, le Ragnarok. Donc bon, beaucoup de questions encore. Et retrouver Vanille et Saz peut être une bonne idée. A mon avis, quand Vanille et Feng vont se retrouver, déjà, il va se passer des choses très importantes. Allez, du soin, s'il vous plaît. Parce que là, pour l'instant, j'y vais un peu YOLO. Mais on prend quand même un peu cher. Voilà, nickel. C'est toujours... Ah non, mais moi... Ah, c'est quand même Lightning de nouveau la leaduse. Ça, c'est cool. J'ai pas trop fait attention. Ça, j'aime. J'aime beaucoup l'idée. Pour l'instant, je martèle la touche croix parce que je fais de l'auto-attaque. Il faudra quand même faire attention. Ok, ok, ok. Alors attendez. Là, il y a des choses importantes. Il faut quand même qu'on passe dans le Crystarium parce que faut qu'on bouge un peu. Toi, il y a une compétence que t'as pas là. C'est quoi? C'est pas ça. C'est. Ah, c'est le séisme. Putain, à chaque fois, je l'oublie ce truc. Attends, hein. Là, t'as rien. Putain, mais à chaque fois, je me fais avoir alors que je devrais regarder en bas. Je suis navré. Navré. Là, il me manque un truc seulement. Voilà. C'est bon. Voilà, j'y arrive. Hop, c'est ici. Je m'en fiche, je prendrai ça plus tard. Mince, j'ai pas pris une force 3, c'est pas grave. Soigneur. Guérison. Et ça, c'est bon. Hop, hop. Parfait. Tacticien. Il y a du boulot encore, hein. Est-ce que ça vaut le coup de passer ici? Je pense pas. Là t'as tout. Là il te manque quoi? Même pas. Tu vois, même pas t'as eu ça. Même pas. C'est la honte. Alors on va passer dans les stratégies également parce que ça va pas trop. Ça ici c'est pas mal. Ah, j'ai du mal avec les stratégies à 3 personnages, là j'ai plus trop l'habitude maintenant. Il me faudrait quand même quelque chose de très urgent là, genre comme ça, comme ça, comme ça. Là c'est l'urgence absolue, c'est renouveau. On va pas mettre ici. Non, comment je fais? Je me souviens plus. Voilà, comme ça. Hop. J'aimerais quand même quelque chose... Je pense que solidarité. Non, c'est celle-ci. Oh, je sais pas laquelle supprimer. Mais je voulais faire une attaquant ravageur. Ouais, vous me direz renouveau. Je pense que j'en aurai jamais vraiment trop besoin. On va le virer en fait. Non, attends, je vais y arriver. Attaquant ravageur. Je sais pas ce que ça peut donner. On va la mettre là-haut.
soin, défenseur soin ici, ravageur attaque en soin. Ouais, je sais pas. Bon, je sais pas, hein. Pour l'instant je teste, j'ai pas trop l'habitude avec 3 persos comme ça. Allez, on bouge d'ici, je vais pas m'arrêter tout de suite, on va attendre le prochain point de sauvegarde, voilà, petit épisode un peu plus long. Quoi? On devrait pas partir d'ici? Bah si, je suis en train de le faire, Feng, je suis en train de le faire. Ouais, je sais pas si c'est beaucoup mieux, hein. Attaquant, ravageur. Coucou vous! Ouais. Je vais refaire le tour, voir s'il n'y a pas des ennemis ou des trucs qui seraient apparus comme par magie. Genre voilà, ce magnifique coffre qui n'était pas là. Merveilleux. Il fait sombre ici, vous pourriez un petit peu allumer la lumière, ce serait pas de poignée. Pas de poignée. Je lis poignée, ça y est. Ce serait pas de poignée d'allumer la lumière, s'il vous plaît. Pour toi, tiens. Un petit poignet. Qu'est-ce qu'on en dit? Force plus 50, c'est pas terrible pour toi. Par contre, vraiment, tes copines vont apprécier. On va enlever les points de vie et on va mettre ce truc. Voilà, force plus 50. Je vais repasser aussi sur ça en premier. Attaquant, ravageur, c'est finalement pas génial. Peut-être sur un boss, ce serait mieux une fois catapulté. Ah, mais les ennemis sont réapparus. Oh, les salauds. Bon, c'est pas grave, on va aller à l'objectif. Laissez tomber les gens, là. On va les tuer vite fait, si vraiment ça pose un problème, mais... Voilà, quoi. Ok, allez, on va à l'objectif. They're fine. Your son's a tough kid. The battalion. They'll take out the whole building next. Dad! Hope! Thank goodness. Are you hurt? No. How about you? Still in one piece. Surprised? Expected some kind of monster? I'm flesh and blood, like you! An ordinary citizen of Cocoon! Don't you get it? This has been our home our whole lives! How could we even think about destroying it? We want to protect this place just as much as you! Sprunk is on our side? He's lying. What if he's telling you it's a trick? You must be Snowvillians. Yag Roche, Psycom Division. I understand your plight. However, the Pulse threat is not so easily dismissed. The very existence of Ulysses puts every last one of us in danger. Tell me, do you really think your life is worth more than the lives of millions of Cocoon citizens? I do not. And so, it falls to me to order your execution. It's that simple. It is my responsibility to see you put down.
your lives are forfeit. Oh, cut the crap! You want Lassie? Then kill Lassie! Why do other people have to die? The purge has gotta stop! Do you think we want to purge our own people? If any trace of Pulse remains, the populace will erupt into chaos! Without sacrifice, without the purge, Cocoon will die. Who fired? I gave no order! No! Leaving. Hope, tie up your dad. We threatened you and forced you to help us. Got it? There must be something else. Do what she says. I can't let you get dragged into this. I want to stay here, but there's no place for Lassie. I'm going with the others. We'll survive somehow. I promise you that. Dad, I hate to run out on you. You're not running! This is not running away. You've made a choice. You'll survive and do what needs to be done. You mean complete my focus? Don't you worry about that. You make the choice. Thanks, Dad. Turn, hero. What? I can handle a little gas. Catch your breath. I'll throw in some hits for you. Ok, ok. J'étais pourtant persuadé que c'était la cavalerie en fait qui était là. Mais en fait, c'est pas ça. What the fuck, what the fuck. Ok. Mets-toi des boucliers, vas-y. On se soigne, on se bouboute, s'il vous plaît. Mais je pensais vraiment que c'est la cavalerie qui était venue nous aider, donc Sid. Bizarre là, en fait c'est qui eux? Vas-y, fais du soin, Light, fais du soin. Bon, ils ont décidé du coup de faire croire que le père de Hope a été forcé à les cacher, à les aider, donc ils l'ont attaché pour le sauver, si on veut. Hein. Masquer les apparences, continue les petits boucliers, là je vois que Fang n'a pas encore sa barrière. Allez Hope, allez Hope. On prend assez cher. Ok, donc tout le monde a son bouclier. On va se prendre une stratégie, voilà, comme ça, parce que alors là, on prend très cher. Peut-être une petite acuité là-dessus, hein, parce que... Putain, c'est quoi, en fait, exactement? Cuirassé volant, il a énormément de PV. Peut uniquement être la cible d'attaque à distance, effectue de puissantes attaques physiques. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, là? Il va falloir faire une invocation, si ça continue. Allez, continue comme ça. En tout cas, il met à mal les FPS, le monsieur. Ok. On va essayer de passer un petit peu en assaut furieux, voir si on peut augmenter bien la jauge de choc. Apparemment, il prend très cher en choc parce qu'il est à 999, vous voyez. On va essayer doucement d'augmenter. Mais c'est très dangereux, là. Hein. C'est ultra dangereux, hein. Qu'est-ce que c'est que cette idée là? Oh là 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 là, puis les FPS sont fous en plus. Allez, le soin, Hope, on y croit.
Je fais attention à ce que la barre de choc ne revienne pas à zéro non plus. Allez, du soin là, hop. Putain, j'aurais peut-être dû garder mon double soin. Hein. Attention, attention, attention. Non, ça va, allez, 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 allez. Un peu d'assaut furieux. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. On espère, hein, parce que là, je vois pas d'autre solution, à part invoquer pour gagner un peu de temps, mais... Même ça, là, la jauge de choc, elle augmente pas, quoi. Oh là 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 là. C'est quoi ce truc, quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Ah, mais du coup, mes stratégies sont mal positionnées, je trouve. J'ai perdu du temps dans le menu. Parce que du coup, il a aucune faiblesse, quoi. Immunisé contre l'air, normal contre les autres. What? C'est trop chaud d'augmenter ça, là. C'est peut-être pas le vaisseau de qui a attaqué les autres, en fait, hein. C'est peut-être l'armée encore, c'est le Psycom ça, c'est peut-être pas la cavalerie. Je sais pas, c'est bizarre, mais en tout cas, le mec là, Yagrosh, je crois que c'est ça son nom. Il s'est fait tuer, hein. Si on a bien vu, il s'est fait tuer. Et je pense qu'on va invoquer parce que... Oh là là, oh là là. Désolé pour les FPS, hein, vous avez l'habitude. Enfin, à force, galère un petit peu. On remonte la vie, s'il te plaît, Hope. Allez, allez. J'attends que ça remonte un peu. Écoutez, on va faire une invocation, hein. On va voir ce que ça donne. Alors, je peux passer la cinématique, voilà. On continue en auto-attaque jusqu'à ce que la barre de vie de Odin soit bien basse. Et on fera une symbiose. Gagne un peu de temps, en fait, là, hein, parce que je suis pas sûr que ça m'aide beaucoup, hein. Je trouve que c'est pas terrible. Hein. En plus, on peut l'attaquer qu'à distance. Il y a un truc que je fiche pas. Il y a un truc que je fais pas. Et qui me pose problème. Ok, il m'a aidé. Allez, la symbiose, parce que ma barre... Voilà, auto-symbiose. Est-ce que ça fait des dégâts? Est-ce que ça augmente bien la jauge de choc, là? Je compte sur ton attaque de base, enfin ton... Ton Tetsuken. J'ai pas encore trop l'habitude des invocations, hein. J'y vais un peu YOLO. En fait, j'aurais dû attendre d'être en choc pour l'invoquer et faire ça. Et puis en plus, je perds tout le... Non mais c'est fou là, what the fuck. C'est trop dangereux ce truc. Il y a un truc que je piche pas là. Ça va durer des années. Des années. Peut-être que je vais accélérer le combat. Hein. La caméra est folle. La caméra galère. J'ai pas d'autres infos. Hein. On peut se faire attaquer à plusieurs endroits. Ah. What the fuck. Depuis un moment, j'arrivais. Ok, ça m'apprendra à faire des auto-attaques de fou en fait. En même temps, je suis en auto-soin, c'est peut-être ça aussi qui m'a mis dedans. Attendez, il doit y avoir un endroit que je peux tuer, petit à petit. Oh là 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 là, mais comment tu veux que je me relève de ça à chaque fois? Ok, défenseur, vas-y. D'accord, d'accord. Tourelle bâbord. J'avais pas capté. Oh, je suis trop bête. Putain, voilà, je suis allé trop vite. Peut-être ça devait être visible depuis le début, je l'ai pas vu, voilà. Ça m'apprendra à faire des auto-attaques à la mort comme ça. Bien fait pour ma tronche. Passe en polyvalence là parce qu'on commence à prendre cher. Attends, attends. Une petite potion pour aider.
Voilà. Ah là 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 là, je me sens bête. Non, pas comme ça. Mes FPS sont fous. Tout va mal. C'est la galère. J'aurais le bâbord. Ouais, le tribord, blindé bâbord. Ouais, mais voilà quoi. Il suffit de casser ces trucs petit à petit. Et peut-être que j'aurai plus de missiles là déjà. Enfin, moins de missiles, ça ira plus. Je prendrai moins dans la tronche. Voilà. Parfait. Maintenant, tu vas faire la tourelle tribord. Ah là 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 là. Ah, désolé, hein. J'essaie de tout voir pendant le combat, de tout comprendre, et je suis allé trop vite, encore une fois. Ouais, voilà. Et hein, comme quoi, je dois apprendre des choses encore. Alors, je vais essayer de taper celle-ci, enfin, de la détruire, et après, on repassera dans une stratégie plus utile, genre attaquant, ravageur, ravageur. Pour l'instant, je prends mon temps, mais effectivement, depuis que j'ai tué l'autre tourelle, ça tire beaucoup moins, donc ça va être beaucoup plus jouable, beaucoup plus sympa. Là, voilà, déjà... Déjà, les missiles, ça s'est bien calmé, hein. Allez, on va quand même passer sur l'autre stratégie. Ça a l'air vraiment plus calme, là, d'un coup. Donc, ça devrait être beaucoup mieux. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire d'acuité sur ce genre de choses. Oh, non, c'est mieux. Il est presque mort, en plus. Je sais pas, hein, si c'est vraiment au début, si je pouvais pas le faire, je revérifierai pendant le montage, peut-être. Peut-être qu'au début, j'avais pas trop le choix de qui attaquer. Je fais trop vite, j'appuie sur croix, là, je fais adadadada, comme ça. Je me fais avoir. Sur les combats de boss, faut vraiment que j'arrête de faire ce genre de stratégie de merde, quoi, d'auto-attaque. Parce que c'est pas du tout payant, quoi. C'est la honte, là. C'était la honte. Ok, on remonte un petit peu, s'il vous plaît. Pendant que Feng tank. C'est bon? Ok, alors, assaut furieux. On va attaquer blindé bâbord. Pareil, voilà, perd bien plus de vie que l'autre. Beaucoup mieux. Bon, en même temps, elle fait de l'eau, du feu, de la glace et de la foudre. Hein, donc, s'il y en a un qui marche mieux que l'autre, elle pourrait le deviner toute seule. Normalement, si vous m'avez expliqué, c'est comme ça que ça marche. Attention, parce que je suis en train de mourir. Déjà que c'est assez long comme ça, alors c'est pas la peine de... Voilà, d'en perdre plus de temps que ça. Vas-y. Reste en soin. J'ai pas envie de faire d'acuité, donc je continue comme ça. Alors par contre, ce qu'on peut faire peut-être, c'est... Ouais, non, mais de toute façon, lui, c'est normal. À mon avis, il a aucune faiblesse. Bon, il a aucune faiblesse spécifique. Et je crois que de détruire les trucs comme ça, ça fait des dégâts sur le truc de base, en fait, là où je galérais. Je vais me remettre en défense soigneur. Pour remonter un peu, il va falloir se remettre des boucliers. Donc on va remettre solidité, pas solidarité. Voilà, saboteur tacticien. On met ses petits boucliers, hop, on y va. Pépère, je te soigne. Vas-y, vas-y, relève-toi. La caméra est complètement cinglée, hein. Pète des plombs. Hein. Voilà, parfait. Bouclier magique, je sais pas si c'est trop l'utilité, mais bon, hein, on va pas cacher dessus. Le rayon laser, on va dire que c'est peut-être des dégâts magiques. Ça mange pas de pain. Voilà. Ok, maintenant tu repasses en défense. Voilà. Bon, même pas, c'est pas la peine, on passe comme ça. Prenons des risques, le blindé tribord, il est presque mort. Je sais même pas si ça s'est vraiment calmé depuis que j'ai tué des trucs. Si, quand même, hein. Ouais, ça fait des dégâts au gros, en fait. Regardez, il reste plus rien. Il ne reste plus rien. Il est en train de s'énerver, par contre. Hein. Je rêve ou il s'est tout reformé? Non, non, c'est bon, il fait plus rien. Regardez, sa barre de choc est presque pleine. Waouh! Allez, la barre de choc, là. Finis-le avant qu'il attaque. Finis-le, on prend le risque. On prend le risque, on prend le risque, on prend le risque, on prend le risque. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Non, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Un petit peu de défense, s'il te plaît. Oh, mon Dieu.
Non, défense avec le soigneur, s'il te plaît. J'ai trop peur, là. Finis-le, finis-le, finis-le. Oh là là. C'est bon, on est soigné. Vite, avant que la barre de choc se termine, là. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Il reste rien, dépêchez-vous, les gars. Enfin, les filles, les gars. Enfin, comment vous voulez. Vite, 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 vite. Il reste rien. Faites un effort. Oh là là, on n'est plus en choc. On n'est plus en choc, on va crever comme des rats. Non, 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 vous exagérez, là. Vous exagérez, les filles, les gars. Soin, hop. Allez. C'est abusé, là, regardez. Mais tu t'exagères, là. 2600 PV, il reste. En plus, la défense, ça sert à rien, puisque tout le monde prend les dégâts. Il reste 1000. Allez, vas-y, passe là-dessus. C'est bon, là? S'il te plaît. Ça y est. Le foutage de gueule, quand même. Ouh. Ok. Nouveau stade d'évolution. Bah, j'espère bien. Don't get cute. Right, let's move it. Take care, Dad. When it comes to home and family, we never keep either as close as we should. Whoever stops to think that this time could be the last. Ok, donc c'est pas la cavalerie, hein. C'est pas les mêmes personnes. Je me demande si on va pas avoir un point de sauvegarde. Voilà, je pense qu'on va sauvegarder et la prochaine fois on devrait retrouver Vanille et Saz, enfin je pense. On verra, hein, c'est pas dit. Je vais faire ma petite sauvegarde. Quoique je la ferai une fois que je vous aurai quitté. Donc, gros épisode, là on a appris beaucoup de choses. Enfin, pas forcément appris, mais c'est, ça a bien bougé. Le père de Hope finalement a l'air safe, on s'en va. Je sais pas avec qui, je pensais que c'est la cavalerie, mais peut-être pas. Je sais pas, c'est bizarre. Mais on s'en sera sorti. Je sais pas où on va se planquer encore, mais on va continuer notre mission en direction du Sanctum et de renverser le gouvernement et d'aller voir ces falsies là-haut là, qui se la pètent. Je pense que c'est un petit peu notre plan. Et ce serait notre façon de sauver Cocoon, quoi, d'arrêter d'être les joujoux des falsies. Je pense que ce sera ça. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Vraiment, là, j'attends vos commentaires parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Désolé pour le combat un peu long parce que j'ai mis un moment à comprendre qu'il y avait d'autres cibles. Mais on se retrouvera la prochaine fois en ayant tous nos moyens, comment dire, la pleine conscience de nos moyens. Je sais pas si ça se dit, enfin bref. Je ferai attention aux cibles, voilà, en gros, ce que je voulais dire. Voilà, et on retrouvera Vanille et Saz, je pense. Bref, à bientôt, tout le monde.